coup, deuxième café pour moi, il est 13h. Je ne vous ai pas pris hier pour différentes raisons, que je ne vous dirai pas, fille très mystérieuse. Aujourd'hui, 13h40, c'est les coursettes, on va y aller tous les deux, donc au drive. Et cet après-midi, ça dépendra de mon état parce que je suis en pleine migraine hier, aujourd'hui. Donc, ce sera en fonction de ça, mais je veux faire une vidéo, vous savez, parodique, humoristique, comme parfois je fais. Ça sera la suite d'un des personnages. Il faut que j'écrive un petit peu les grandes lignes parce que pour pas oublier, parce qu'une fois que tu as fini de tourner, c'est un peu chaud, donc voilà. Et il y avait autre chose. Oui, j'ai reçu un paquet aujourd'hui. Je pense que c'est ma commande avec mon shampoing. Et il y avait deux, trois petites choses également, des nouveautés. Je l'ai mis dans la pièce de décontamination, on va dire. J'ai reçu il y a peut-être 3 heures, donc ça va être bon. Je vais mettre quand même un petit coup de savon dessus et puis ça ira bien. Voilà. Machine à laver qui m'appelle. Je vais étendre. Je suis en train de me dépêcher, les 23 et les courses à 40. 13h40, on a rendez-vous à 13h40. C'est formidable. Eric prend sa douche, mais il m'a dit que c'était pas un quart d'heure près le drive. Il fait une chaleur déjà dans la maison, donc dehors ça doit être laisse tomber. Du coup, bah, j'ai enlevé le pull évidemment. J'ai regardé le colis, c'est pas ce que je pensais. C'est la marque Sève, c'est vrai, ils m'avaient prévenu, ils allaient m'envoyer leur sérum. Moi qui adore les sérums, et j'ai déjà eu la possibilité de tester leur gamme. C'était une crème de jour, crème de nuit, je crois, la dernière fois, et j'aime tellement cette marque. Donc c'est cool, bah, je vous montrerai après. Et puis évidemment, je vais commencer le petit traitement dès ce soir. C'est cool, mais pour l'heure, j'aimerais bien qu'on y aille. Tu es prêt, bébé? Ah, il ne répond plus. Bon, nous sommes rentrés, j'ai tout rangé, j'ai enlevé les emballages. Ça fait super longtemps, les miel Pops, j'ai pris des chocolats, on a repris comme d'hab tout ça, le café. Regardez, j'ai pris ça, je sais pas ce que ça vaut, gâteau apéro, miel moutarde, ça m'intrigue. J'ai repris des smoothies parce que j'avais tellement adoré celui-ci, mangue passion. J'ai repris et j'ai pris celui-ci, fraise banane. Pas mal de yaourts et notamment ceux à la vanille, j'aime bien. J'ai repris mes brocolis parce que bah, j'aime tellement les petits gratins que je fais. Nous n'avions plus de glace en 4 petits pots, j'ai pris le gros pot. Oh, celle-ci, franchement, elle est énorme. Eric a pris celle-ci, citron, il en a pris 2 pots. Sinon, le paquet de ce matin est ici, je vous montre le sérum. Donc il y a plusieurs possibilités de gamme en fait. J'ai donc reçu le petit pochon. Ça, c'est un échantillon, c'est également un sérum, mais celui-ci, il est peau neuve. Et mon sérum se trouve comme ça, c'est le Perfect, ouais, pardon, Pissum. Sérum botanique, booster déclin anti-tache, petite pipette comme ça. Et le fascicule, donc explicatif, franchement, la compo est hyper clean. Adieu les taches et imbrouillés puissants activateurs d'éclat, ce sérum surconcentré corrige toutes les taches, aide à prévenir leur apparition et redonne à la peau toute sa luminosité. On a vraiment toute une gamme complète, antioxydants, détox, purifiants. Celui-ci, la gamme hydratation, c'est celui que j'avais testé, j'avais beaucoup aimé. Anti-âge, fermeté, cure de jouvence au naturel. Oh, il y a vraiment un large choix. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai reçu. Des soins extraordinaires à base de plantes, pas si ordinaires. Je vais me faire le tournage, en tout cas je vais préparer tout pour ce que je vous disais là, la vidéo. Bon. Je ne ferai pas cette vidéo parce que je ne l'ai pas travaillée. Je vous ai dit que j'allais écrire et je ne l'ai pas bossée. Je me suis dit, bon, tu vas le faire comme ça en impro. Et non, je réessayerai plus tard une fois que j'aurai tout bien réécrit. Je fais une pause parce qu'en fait, on n'a même pas mangé. Vu qu'on est parti à 13h40 pour les courses, on est rentré, on a tout nettoyé, j'ai enchaîné avec ça. J'ai même pas pensé à manger. Et j'étais en train de faire du montage, j'ai commencé à avoir un vertige. J'ai dit, ah, mais. Donc goûter, banane, petit bouboule. J'ai mis cette chemise longue en guise d'accessoire parce qu'en fait j'ai changé d'avis. J'ai changé complètement de thème mais j'ai fait une vidéo. Essayez de deviner. Elle sera en ligne peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être jamais. C'est ça qui est cool. Mais voilà, juste cet accessoire, la chemise. Hop, vous l'aurez compris. 18h, on va marcher. Je mets la casquette parce que la dernière fois je me suis fait un coup de chaud. Bon, je vais pas vous saouler avec la promenade, c'est juste pour faire un petit point. Et même si j'étais pas motivée pour sortir, j'avoue que ça fait du bien. Regardez. Du coup, on est de retour.
On a marché, franchement, 40 minutes à peu près. Pose la question. Je vais leur poser parce que. Non, non, tu leur poses la question. Mais pose-toi la question, pose-leur. Non, tu leur dis, ben là, je connais un homme de 50 ans, dis-leur. Je connais une personne. De 50 ans. De 50 ans. Plutôt bien conservée. Plutôt bien conservée. Il fait 35. De visage, il fait 35. De visage, il fait 29. Cette personne. Alors, cette personne. Vient de fournir un effort physique absolument incroyable. On a marché un peu. Oui, on a marché 40 minutes sous. Non, mais c'est surtout on s'est pas baladé, on a marché. On a grimpé 200 marches. On a fini par 200 marches comme ça, vraiment. Ils sont vraiment pentus. C'est-à-dire que, ouais, oui. Et cette personne. Cette personne. A une tension à la fin des marches. À la fin des marches, en haut des marches. À 10. Après 6. Un effort, à 10-6. Et cette personne, dont on littéralement, par souci de ce cas médical, affirme. Que le médicament qu'on lui donne pour faire baisser sa tension fait trop baisser sa tension, parce qu'il n'est pas normal qu'au bout d'un effort aussi intense, il soit toujours qu'à 10-6. Maintenant, peut-être que les gens ont un avis là-dessus, parce que si toi on t'écoute, c'est tout à fait normal qu'un homme de 50 ans, écoute, après un effort aussi intense. Cette personne, je suis persuadée qu'elle n'avait pas 10-6 avant la marche, et je suis persuadée qu'après la marche, elle n'aura pas 10-6. Ça fait combien de temps qu'il est 10-6 cette personne ? Tu as une tension sans le médicament qui est à 17. Non, je te pose. Là, c'est parce qu'il y a peut-être à faire un effort trop dur. Laisse les gens avoir un avis, parce que toi, t'es de mauvaise foi. Sur ce. On n'a pas dit qui c'était, on n'a pas rencontré. Ah, non. Non, mais c'est important. Ouais. Oui. Et cette personne, cette même personne, dont on dira le nom. C'est important ça. Je suis persuadée qu'elle voulait une pizza ce soir et c'est non. Non. Mais elle veut pas de pizza. Par contre, elle aurait bien mangé un petit smoothie avant de. Non, il est quelle heure ? 19h36. Bon, le rhum, on n'en a pas, mais 19h36. Bon, non. Après, si tu veux. Non, t'en veux maintenant ? Non. Tu veux que je te fasse un petit smoothie si tu veux ? Non, bon. Mais il est bientôt 20h. On va manger tes brocolis. T'en as racheté. Tu sais qu'il y en a 4 paquets. Je m'en fous. Et il est trop bon, mon gratin. Bon, sur ce, je vous laisse. Je suis toute collante parce que quelle idée. Alors, j'étais marcher avec ma brassière de sport, ça c'est bien. Mais avec ça, parce qu'au début, je pensais pas marcher, je pensais vraiment faire le tour de pâté de maison, tu parles. Je lui ai fait quand même. Douchette, ça fait du bien. Eric est en train de cuisiner, il m'a dit « Oh, c'est moi qui cuisine. Tu descends quand je te dis, c'est une petite surprise. » Vous entendez ? Et j'en profite, je regarde un petit peu les rushs de ce que j'ai tourné. Et c'est marrant parce que le fait de marcher, ça permet également un petit peu de réfléchir, de méditer. J'ai envie de le refaire, j'aime pas, je suis pas complètement satisfaite et... Bon, en même temps, je peux le retourner demain matin, je vais réécrire, je vais rajouter des choses. C'est ça aussi, la création. Et je l'ai montré à Eric, voilà. Pour être totalement honnête, je l'ai montré à Eric avant qu'on parte. Il me fait, ouais, essaye d'aller un peu plus loin quand même. Voilà. Bon, j'y retourne. Waouh, ça sent bon, hein, je te le dis direct. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? La tambouille. Des petits pois, du poulet et des... Maïs, génial, merci. On a terminé ce petit repas, tout simple, mais franchement, c'était très très bon. J'ai des courbatures partout, mais ça fait déjà 4 jours. Ça fait 4 jours qu'on a commencé à marcher, ou 5 jours. On a quasiment marché tous les jours. Et comme si mon squelette se remettait, mais il m'a coincé un nerf. Ce con. Parce qu'en fait, ça m'irradie là, et ça me fait dans la douche tout à l'heure. Et même quand on a marché, j'ai dit « Eric, hop !» J'aime pas trop ça, quoi. Ça m'a pincé dans le dos et ça m'a fait une décharge électrique qui montait tout le long du cou et qui descendait. Et dans la douche, tout à l'heure, pareil. Ensuite, je me suis assise pour continuer un petit peu le montage, faire des recherches et tout. Pareil, j'aime pas trop. Bon, on va voir. En attendant, je vais regarder ma série Hollywood en mangeant, évidemment. Et bah, la glace. Putain, j'ai hâte. Et je vais vous reprendre tout à l'heure. Est-ce que vous l'aurez deviné ? Oh. Heureusement que j'étais pas dehors parce que le téléphone, il a sauté de ma perche, ça faisait longtemps. Donc, vous l'aurez deviné, nous sommes le lendemain, j'avais pas clos hein, le vlog. Aujourd'hui, avec Eric, on a bossé sur quelque chose, si ça se fait, ce sera de l'inédit. Hein. On va peut-être, je dis bien, faire une vidéo tous les deux. Et... Ah, ça peut être drôle. Sinon, ce matin, j'ai reçu mon paquet avec mes shampoings. Je ne me suis pas lavé les cheveux. Tout est dehors, vu comme il fait chaud. J'ai tout nettoyé, c'est déjà sec. Jack, arrête ! J'ai reçu ce matin mon colis avec mon shampoing. Les deux, trois nouveautés en make-up. Je vous montrerai plutôt tout ça demain. Là, c'est toujours... C'est dehors, d'ailleurs. J'ai tout nettoyé. J'ai reçu également, alors énorme, la box Evidence du mois de mai.
Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, leur contenu. Il y a un masque, donc un masque tissu cousu, hyper mignon, que j'ai lavé, qui est déjà sec vu comme il fait chaud. Il y a un gel Made in France hydroalcoolique, mais très liquide, bref. Il y a d'autres produits soins. Et voilà, donc c'est bien de s'être adapté, je trouve. Je vais manger là, parce que bah, comme d'hab, 14h. Commence à faire faim un petit peu, voilà, bah écoutez, je vais arrêter maintenant, je vous montrerai comme je vous ai dit tout ça demain ou après-demain. Cet après-midi, on va sortir, on attend parce que là il fait quand même très très chaud, je pense que c'est sympa de le faire comme hier sur les coups de 18h, partir marcher, et bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous embrasse fort, allez, salut.